Tu sais que quand on est deux journalistes à Miami, s'il n'y a pas de bateau, c'est pas Miami. Donc je te propose, pour fêter l'arrivée de Daniel Roth et de Gérald Genta, pour fêter nos amis Michel et Enrico, d'aller parler de leur montre devant ton bateau. Allez, venez, on vous emmène. Voilà, là, maintenant on peut dire qu'on est à Miami, voyez. Une maison, un ponton, un bateau, pour parler de Gérald Genta et Daniel Roth. C'est normal, on est sur Star Island, c'est l'île des stars de l'horlogerie, donc Genta et Daniel Roth, c'est exactement ça. Avec en plus deux autres stars contemporaines de l'horlogerie, qui Michel sont et Enrico. Les deux maîtres horlogers de génie de la fabrique du temps Louis Vuitton. Donc. Exactement, les deux maîtres horlogers dont le surnom c'est Tic et Tac, il faut le savoir quand même. Alors, ils nous ont quand même présenté des choses sympathiques, et puis surtout, on a pu voir quand même le retour de la rétrograde, avec les personnages Disney. On avait une petite surprise en plus avec un prototype de Donald Golfer qui va rappeler des souvenirs à ceux qui ont la chance d'avoir cette montre historique. Et puis Mickey qui revient sur les cadrans avec une complication inédite pour une Genta. Et puis Daniel Roth avec les premières pièces souscription qui arrivent avec ce style d'un classicisme parfait qui n'a pas bougé et qu'ils ont réinterprété absolument magnifiquement. Et je trouve ça bien qu'ils fassent ça à souscription parce que c'est dans l'esprit de la première montre qu'a sorti Daniel Roth à l'époque. Et on peut même remonter le temps, parce que la souscription, c'était un certain Abraham Lubreger en 1794 qui avait inventé le crowdfunding à peu près 250 ans avant tout le monde. Vous voyez, rien ne se change, tout se transforme, tout se réinvente. Bravo Michel, bravo Enrico, et puis surtout, on va venir vous voir à la Fabrique du Temps. On est très fiers, puisque nous avons travaillé avec Gérald Genta durant de longues années, 7 ans pour moi, et 11 ans pour toi, Enrico. Ouais, 10 ans. Ouais. Ouais. L'anecdote sympathique, c'est que Enrico a commencé sa carrière chez Gérald Genta, ouais. Et peut-être qu'il la terminera puisqu'il a. Non, mais il n'y a pas de peut-être. C'est ma dernière aventure. Ouais. On est très fiers et excités à l'idée de relancer la marque Gérald Genta, mais on est très responsables aussi, puisque il va falloir continuer, il va falloir relancer d'autres modèles, peut-être inspirés des modèles existants. Mais... Madame Genta nous a dit, peut-être pas mot pour mot, mais je vais essayer de répéter ce qu'elle a dit, parce que c'est Madame Genta qui l'a dit. Elle a dit le meilleur hommage qu'on peut rendre à Monsieur Genta, c'est de continuer à créer. C'est ce qu'on va faire. Et pas faire uniquement ce qu'il a fait. Nous, on est très fiers de nous avoir dans la première émission de la série « Deux journalistes à Miami ». Absolument. Dans laquelle on a Julie Kael qui est là, qui est le deuxième journaliste, et qui va vous poser quelques questions, bien sûr, parce que deux journalistes pour deux horlogers, il n'y a pas que moi qui parle. J'ai le plaisir d'aller voir à Londres, justement, les collections de Madame Genta, oui. de gouache, de dessin, oui. De Monsieur Genta, qui est absolument incroyable et qui a continué pendant des années jusqu'à la fin de sa vie à dessiner des montres, oui. Tous les jours. Tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez utiliser, ces dessins inédits, pour créer des nouvelles montres demain avec l'accord de Madame Genta. Ah oui, alors, on a toute la collection de ces aquarelles. Les dessins, ils sont aujourd'hui propriété de la marque. Mais c'est incroyable la façon qu'il avait dessiné, parce que quand il dessinait, c'était... Ça pouvait être produit derrière les cotes, la précision. Oui, oui. Ah non, mais c'était toute sa vie, l'horlogerie. Il avait fait le tour pour ce qui est de savoir si c'est faisable ou pas. Il était, il savait à la fin. Ouais. Les aquarelles sont chez nous, on s'en inspire, ouais. Mais on va de l'avant aussi. Donc, on a une équipe de designers avec Mathieu Egui et toute son équipe qui travaille d'arrache-pied sur les designs Genta en s'inspirant des aquarelles qui sont chez nous. Et depuis qu'on a créé la Fabrique du Temps, on essaye d'offrir à nos clients quelque chose d'autre qu'ils puissent porter au poignet. Quelque chose, on est toujours très, très demandeur de ce qui leur manque ou ce qu'ils voudraient porter au poignet. Donc, on a apporté, quand on voit chez Vuitton, la spin time, la répétition minute qui sonne l'heure de la maison, la twin chronographe. Donc c'est un petit peu de l'insolence, toujours avec ce grand respect pour la haute horlogerie.
a tenu à perpétuer ça, puisque ça fait 40 ans que Gérald Janta a cet accord avec Disney. Et la première des pièces que l'on va présenter, c'est une répétition minute avec Minute Rétrograde et avec la collaboration avec Disney. En fait, il n'avait pas lié Disney et la répétition minute. Ça, il n'avait pas osé, je crois. Donc, on est allé un poil... Je suis sûr que ça lui aurait fait plaisir. Oui, s'il avait l'opportunité, il l'aurait fait. Lier l'heure sautante avec la répétition minute, c'est très difficile techniquement. Donc, on a déjà résolu le problème. Et ensuite, on s'est dit, bon, on va aller encore un peu plus loin. On va mettre du Disney dans une répétition minute. Après, si vous avez envie de vous acheter une répétition minute classique, tout le monde en fait. Si vous voulez être un peu anticonformiste, un peu à côté de la plaque, voilà, il y a du Janta. Avec des cadrans toujours, alors de nouveau, hein, on n'a pas fait des demi-mesures, hein, c'est des cadrans en émail grand feu, cloisonné, c'est pas de la peinture, c'est vraiment... on y a mis, comment dire, tout. On y a... Il y a un peu les quatre piliers de Gérald Janta, il y a l'octogone, il y a la sonnerie, il y a cette relation avec Disney... tout est respecté. Dans le premier modèle, on a essayé de réunir tout ce qui décrivait Gérald Janta. Non, mais à la fin des fins, je dirais, égoïstement, on s'est fait plaisir sur cette montre. Voilà. Et on va continuer. Merci. 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 On a rendu hommage à Daniel en restant vraiment, comment dire, droit dans nos bottes. On n'a pas beaucoup bougé sur l'esthétique, tu vois, les finitions. Très peu. On n'a pas de compromis. Non. Si tu regardes le cadran, c'est un guillochet à la main. On a vraiment voulu, comment dire, respecter l'homme, parce que quand tu le rencontres, ben, tu n'as pas envie de le décevoir. Et tu ne dois pas le décevoir. Il est charmant. Donc, super. C'est un grand plaisir de continuer cette marque-là, mais on a une grosse responsabilité qu'on assume complètement. Puis après, on l'a invité aussi à la Fabrique du Temps, on lui a montré ce qu'on a fait. Il était très gentil parce qu'il dit « Vous avez fait mieux que ce que j'avais fait à l'époque. » Ce qui n'est pas vrai, parce que faire ce qu'il a fait à l'époque... Il avait d'autres moyens. Hein. Donc, nous, c'est vrai qu'avec la Fabrique du Temps, on a tous les moyens, on a la belle équipe pour perpétuer ce qu'il avait fait. Et puis cette forme de boîte, hein, moi je crois que c'est... J'avais pas analysé cette boîte, mais en fait, c'est un rond qui est coupé. Oui. C'est juste un rond, c'est une boîte ronde qui est coupée. C'est d'une pureté absolue. C'est pas une boîte de forme, pas vraiment, mais c'en est une quand même. Et là, cet avantage, justement, de pouvoir mettre des affichages, c'est magnifique, quoi. Enfin, c'est une découverte. D'où son premier tourbillon, d'ailleurs, parce que quand il a vu la boîte tronquée comme ça, le rond tronqué, la double ellipse, la première chose à laquelle il a pensé, c'est de loger un tourbillon à 6 heures. Et de déporter les aiguilles sur 12 heures. Tu vois, on disait, on n'a pas beaucoup touché, mais en termes de design, les cornes sont un peu différentes. Il y a un galbe, il y a des cornes très droites. Pour la petite anecdote, le fabricant de boîtes, c'est vraiment marrant, mais on est chez le même qu'à l'époque. Oui, mais si tu déshabilles la pièce, là, tu vas c'est très compliqué remarquer que le mouvement a tout à fait la forme de la boîte. Non. Ouais. Et on a cette chance-là avec la Fabrique du Temps de partir d'une feuille blanche, mais de développer des mouvements qui sont totalement adaptés à la forme de la double ellipse. Ouais. Elle a les mêmes dimensions, 38 sur 35. Ouais. Au niveau de l'épaisseur, elle est un petit peu plus fine. Ouais. Et les montres rôtes, elles sont très belles quand elles sont fines. Un tout petit peu, oui. Parce que tu dois partir sur un calibre qui est plus petit. Parce que nous, on a... Contrairement peut-être à Daniel, où il avait moins de moyens justement à l'époque, il a fait des grandes choses, mais avec beaucoup moins de moyens que nous. Nous, on a fait des calibres dédiés à Rote. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un calibre Rote pour mettre dans Janta. Hein. Ce n'est pas les mêmes. Si tu veux, sur Rote, on fait un calibre de forme. Donc, évidemment que tu as des contraintes. Parce qu'automatiquement, il n'est pas rond, donc le remontoir, il rentre. Enfin, techniquement, il y a des contraintes. Ouais. Les 20 premières, ce seront des montres à souscription. Et il n'y en aura que 20. Et elle a, derrière, elle n'a pas une glace saphir. Elle a le fond qui est plein.
Mais justement, nous, ce qu'on veut, c'est que même l'horloger, dans quelques années, quand il va démonter cette pièce et qu'il va se rendre compte de la qualité, de la perfection, de la terminaison, la finition de chaque composant, il va être épaté. Et c'est ce qu'on a voulu, bien qu'elle ait un fond plein. Le modèle de faire une souscription, lui, il avait commencé comme ça en 88 avec son premier tourbillon, parce qu'il lançait sa marque. On a gardé la même philosophie. Ouais. Nous faisons une souscription de 20 pièces. Welcome to Miami. Évidemment, vous le connaissez. Tu crois pas si bien dire, parce que le lancement... Oui, parce que le lancement... que je fais pour cette émission, c'est deux journalistes à Miami avec Judy Kael, et on fait un lancement avec un générique qui singe Miami Vice. Donc ça va être marrant. Donc vous voyez, bon, vous le savez, tous les ans, Julien, on se voit à Watch and Wonders. Habituellement, c'était chez Zenith. Vient d'arriver chez TAG hier. Bah, depuis trois semaines, incroyable. J'ai appris tellement de choses, j'ai été immergé dans cette marque fabuleuse, donc je suis ravi. Elle te ressemble beaucoup parce que c'est une marque moderne, sportive et en plus beaucoup de voitures, beaucoup de compétitions automobiles, et je sais que tu aimes ça. Exactement, j'adore les voitures en général, les courses automobiles, l'esprit aussi autour des courses automobiles, donc je suis ravi. D'ailleurs, Frédéric m'avait toujours dit, si tu aimes le sport, tu vas adorer cette marque. Donc voilà, quelle nouveauté pour le Miami LVMH Watch Week? Eh bien, on va laisser la parole à Julien. Écoute, on a beaucoup de choses, on a plein de choses très intéressantes. Bien entendu, on a une nouvelle aquaresseur avec la technologie SolarGraph dans une taille de 34 mm qui était très attendue par les marchés. On a également une nouvelle connectée, très chouette, avec un cadran vert, avec une lunette en céramique et puis surtout la possibilité de changer les watch face, qui est vraiment sympa parce que ça offre vraiment un différent look à ta montre connectée. Et puis, si je devais me concentrer sur une pièce en particulier, je parlerais bien sûr de la Carrera. Puisque l'année dernière, on a fêté les 60 ans de la Carrera avec l'arrivée de la Glassbox, qui a été très attendue, qui a été adorée par les amis de la marque et les clients de la marque. Et aujourd'hui, on a un nouveau cadran magnifique que je vais te montrer tout de suite. Le datographe. Et moi, tu vois, regarde ce que j'ai une connectée avec le cadran Carrera. Donc, comme quoi, on peut mélanger aussi, avoir l'esprit de la Carrera sur la montre connectée TAG. Absolument. Oui, exactement. La datographe, qui est inspirée d'un modèle qui avait été créé par Jack Heuer en 1968, où donc on a la date à 9h et le compteur de 30 minutes à 3h, magnifique, et qui cette année est lancé avec ce vert très particulier qu'on appelle Teal Green, qui a des reflets de bleu et qui est inspiré de ces voitures vintage de course des années 20 aux années 40, 50. Donc c'est vraiment en lien avec l'ADN de la marque, parfait. Et surtout en lien avec ce modèle, parce que comme il date de 68 avec une lisibilité de la date parfaite à 9h, je rappelle que sur certaines Carrera, la date est à midi, sur d'autres, la date est à 6h, donc là, elle est à 9h. D'ici à ce qu'il y ait une petite date à 3h qui tourne dans les tiroirs, qui sorte dans les prochaines années, je ne serais pas étonné parce que tout le monde dit que TAG Heuer fait tourner les têtes et aussi fait tourner les dates, hein, maintenant. Mais oui, on adore ça. Ouais. Donc tu peux effectivement t'attendre à beaucoup de surprises dans les années à venir. Donc ça, c'est la pièce de la LVMH Watch Week. Hein. Évidemment, vous avez vu les gros plans magnifiques. Et surtout, il y a une tourbillon aussi? Bien sûr, on n'allait pas s'arrêter uniquement sur le chronographe. On a en plus créé un magnifique tourbillon que tu vois en 42 mm avec cette cage splendide et toujours ce beau cadran vert avec ses reflets assez incroyables. Il faut le voir à l'intérieur, à l'extérieur, parce que c'est vraiment une pièce absolument magnifique. Je crois que c'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, ce verre-là, nous, on va vous le présenter, mais vous allez le voir sur vos écrans d'ordinateur, sur vos écrans de télé ou sur vos écrans de téléphone. Donc, chaque verre sera différent en fonction de là où vous le regardez. Allez en boutique, allez le voir. C'est un verre vraiment extrêmement particulier. Et sur le tourbillon, vous verrez que cette glass box, elle met en valeur, évidemment, le tourbillon, puisqu'elle enlève la lunette qui habituellement le cache. Et puis le tourbillon, évidemment, c'est Queen of Tourbillon. Bien sûr, notre amie Carole, qui est la reine du tourbillon, effectivement. Alors, tu sais que je suis son journaliste préféré. Elle m'a dit. Elle se réjouit de te voir. Il faut que tu viennes à la Chaux-de-Fonds bientôt. Ouais, ça y est. Donc, à chaque fois qu'on fait une interview, évidemment, il faut qu'on aille dans une manufacture. On n'a que ça à faire, évidemment. C'est-à-dire, on ne va plus tourner d'émissions. Maintenant, on va aller que dans les manufactures. Bon, merci de ton aide. Une autre grande nouveauté? Oui, s'il te plaît. Si tu viens à la Chaux-de-Fonds, tu sais, le soleil y est très fort. Et on a quelque chose de spécial pour toi, que j'aimerais que tu essayes, c'est des nouvelles lunettes. Ah. Voilà. TAG Heuer, tu prends le micro, tu fais le reportage. TAG Heuer relance sa ligne de lunettes. C'est la grande nouveauté de ce début d'année. Hey, beau gosse. C'est magnifique, non? Regarde. Hop. Voilà, Miami, bon, on est prêt. Qui peut me parler de ça?
Alors moi, un petit peu, mais comme tu me connais, je ne suis pas un spécialiste des lunettes, donc je te propose d'aller voir Renato, le roi des lunettes. Le roi des lunettes, celui qui connaît tout par cœur. Oui, c'est vraiment la personne derrière cette nouvelle collection de lunettes. Bon, on laisse Julien, on coupe, on vous met les gros plans, on vous met les plans de Miami, et là, on va aller voir Renato. C'est la MP10, donc Manufacture Piece, numéro 10, alors qu'on a sorti la 13 l'année dernière, donc les chiffres ne sont pas forcément croissants. Ils sont liés à des projets. Elle a pris plus de temps à être développée que la MP13, par exemple. Donc, dès qu'on démarre une idée, on donne un numéro et il reste lié au produit jusqu'à sa sortie ou pas, parce que des fois, en fonction de la fiabilisation, etc., on peut à coup décider de ne pas le faire, parce que c'est trop compliqué ou pas fiable. Donc, l'idée ici, c'est de donner libre cours et pas de donner de barrière au créateur, en fait. Donc, de se dire, ben là, il n'y a pas d'identité de la Big Bang, il n'y a pas d'identité vraiment du fameux hublot de bateau, mais ça reste de l'art de la fusion, donc très innovant, très créatif. Et l'idée de réinventer les complications horlogères, c'est réinventer le mouvement automatique. En l'occurrence, c'était ça le brief de départ. Et au lieu d'avoir un rotor traditionnel, on a décidé de faire ça tout verticalement à travers des masses linéaires qui se retrouvent à 9h et à 3h et qui permettent quand même, avec le mouvement du poignet, à faire un remontage. Et ça, c'est un gros challenge. Il y a déjà eu des explorations similaires un peu dans l'horlogerie dans les années 30. Mais là, on a quand même quelque chose qu'on a breveté parce que c'est vraiment à travers le mouvement que se fait le remontage et des ressorts. Donc, il y a tout un système assez ingénieux pour le remontage. Puis après, voilà, on s'est inspiré d'autres pièces maîtresses, puisqu'on avait la montre La Ferrari, par exemple, qui avait ses rouleaux pour indiquer l'heure. Donc, on a repris cette inspiration-là. On a mis un tourbillon incliné, cette fois, au lieu qu'il soit vertical. C'est des choix. Et la construction du mouvement qui a donné un petit peu l'esthétique de la montre, avec donc tout un travail de design quand même sur ça. Et c'est ce qu'on appelle, c'est notre haute couture à nous. Donc, c'est des pièces très uniques, très particulières, qui sortent totalement du cadre, mais qui sont très hublots à la fin quand même. C'est une série limitée ou c'est une édition spéciale? C'est une série limitée, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais là, c'est 50 pièces. C'est entre 12 et 18 mois pour réaliser ces 50 pièces. Peut-être après, on fera une version dans un autre matériau, par exemple, ça c'est possible, qu'on fera 3-4 versions. Comme sur la Ferrari, je crois qu'on avait fait 5 versions, par exemple, différentes entre du carbone, du saphir. Donc là, il y aura probablement quelques versions dans les 5 prochaines années, je dirais. Donc en fait, cette année, on a un chapeau qui est en fait beyond time, avec 3 étapes dans le voyage au-delà du temps. Et la première étape, c'est le temps de l'or. Donc, on a décidé de célébrer cette année en horlogerie plus que jamais l'or, et notamment l'or jaune, parce qu'on avait déjà pas mal de pièces en or rose. Le vrai or, il est jaune, plus que jamais. Et donc, on a décidé de célébrer cette année avec pas mal d'or jaune, à commencer par notre icône historique qui nous a amené dans le marché, je dirais, de l'horlogerie de luxe quotidienne, hein, puisqu'en 1977, Gianni Bulgari est arrivé avec cette création, qui était inspiré directement de la pièce de monnaie impériale où l'empereur mettait son nom sur les bords de la pièce et sa figure au milieu. Et grâce à la diffusion de la monnaie, il affirmait son pouvoir à travers l'empire. Nous, la face de l'empereur, en fait, c'est le cadran. Et le cadran, il a une signature Bulgari depuis des décennies. C'est le fameux cadran 6-12, que ce soit une octo ou une Bulgari-Bulgari. Ou quoi que ce soit d'autre, s'il n'y a pas, comme sur certaines montres féminines, des index en diamant, le cadran est toujours caractérisé par ce 6-12, qui est d'ailleurs un petit peu amusant, parce que si on pense qu'on est italien, on aurait pu penser aux chiffres romains qui sont l'apanage de notre premier concurrent parisien. Et à l'inverse, on est parti sur les chiffres arabes. Mais ça, c'est un peu la beauté du luxe, c'est avoir ces petits paradoxes. Donc, on célèbre l'or jaune à travers à la fois
le relancement véritablement de Boulard et Bulgari, volontairement dans son diamètre initial, qui à l'époque était masculin et qui aujourd'hui est unisexe, puisqu'en fait le 38 mm typiquement a une magnifique montre unisexe. On n'oublie pas quand même qu'en Asie, il y a des poignets qui sont un petit peu différents, donc il y a une vraie demande aussi pour des plus petits diamètres. Mais je dirais que le fer de lance, c'est cette montre avec le beau mouvement solo tempo, qu'on retrouve aussi dans Octoroma, qu'on retrouve dans Lucea, qu'on retrouve dans beaucoup de créations. Et une montre qui a gardé effectivement toute la force de la montre initiale et bien sûr le logo, restant aujourd'hui sur le marché, à ma connaissance, la seule montre avec un logo complet. Il y a beaucoup de symboles comme la couronne de Rolex, le shield de Tag Heuer, etc. Mais personne n'ose afficher son logo de façon aussi omniprésente. Et ça, c'est évidemment le lien avec la Rome impériale où effectivement l'empereur affirmer à la fois sa tête et son nom à tous ces sujets pour bien faire comprendre que c'était lui le chef. Donc ça, c'est la nouvelle Bulgari Bulgari. Donc ce qu'on va faire, on va redessiner complètement en gardant des éléments de reconnaissance que sont le V de la couronne et Pradesh couronne. Par contre, on n'a plus biseauté le bas de la bande de carrure. Il est parfaitement rond et doux, donc on l'a féminisé. Et on a féminisé normalement le bracelet était très anguleux au début, et créait certaines hésitations de consommatrices qui pensaient que ça allait être peu confortable. Donc on a fait une montre probablement encore plus cœur de marché qu'avant, et la créativité a été transférée du bracelet au cadran. Donc on a payé beaucoup d'attention pour faire des cadrans qui reflètent vraiment le concept de lumière, parce que Lucea en latin ça veut dire lumière. Et donc, avec cette marqueterie que vous trouvez sur la malachite, que sur ça, c'est à peu près 70 petits éléments de nacre qui sont assemblés un par un pour faire cet effet. Parce que la nacre, tu ne peux pas la frapper, tu la casses tout de suite et tu trouves difficilement une rondelle pour pouvoir la faire. Donc, en fait, tout ça, c'est un concentré d'artisanat époustouflant, mais qui permet de donner au cadran une unicité, mais surtout une luminosité qui, au contraire, est très compliquée. Nouveau bracelet sur Lucea, totalement différent par rapport au premier. Il reste encore ce côté un petit peu de design avec cette V-shape qu'elle était au début à l'idéation du bracelet de Lucea, inspiré aussi par les serpents historiques de Bulgarie. Aujourd'hui, chez le bracelet de Lucea, ça reste un petit peu cette forme coupée comme ça. Mais le maillon, aujourd'hui, il est devenu plus, entre guillemets, classique avec deux maillons différents. Donc beaucoup quand même de flexibilité au bracelet et toujours l'opportunité d'avoir différentes matières comme le stylet gold et différentes terminaisons. Ça pour nous c'est super important parce qu'on aime de jouer avec les matières, on aime de jouer avec les couleurs. La nouveauté, c'est la triple calendar. La particularité de cette montre, c'est qu'on a le jour, le mois et la phase de lune, évidemment, en gardant tous les codes de l'original. Cette montre a été créée en 1970 et on a créé la même montre, si ce n'est qu'elle est un tout petit peu plus épaisse parce que le mouvement a été amélioré, donc il est plus performant. Mais toute l'inspiration vient de l'histoire d'il y a 54 ans. Et donc, si jamais on a l'original qui a été produite il y a 54 ans, ils en ont produit que 25. Il y en a deux qui sont dans le musée, on en a une qui est là aujourd'hui, qu'on peut vous montrer. Ce que j'ai appris récemment par l'historien de Zenith, c'est que ce même modèle de ces 25 a été vendu en 2013 ou 2015, 75 000 dollars ou euros, ce qui est génial parce que ça montre qu'il y a toute une histoire derrière et il y a quelque chose, un intérêt aussi par rapport à la marque. Donc c'était une belle histoire et on l'a donc en version cuir, vert, on l'a en bracelet métal aussi. Elle vient avec trois différents cadrans. On a le blanc, on a le vert, et le vert est exclusivement pour notre site internet et nos boutiques. Et ensuite, on a le cadran blanc et le cadran gris, avec évidemment en gardant tout le temps les codes de la Chronomaster. Alors le calibre, c'est le calibre Primero, c'est la base du mouvement, c'est le même mouvement qu'il y avait il y a 54 ans quand ils ont créé la montre et le mouvement, mais évidemment le mouvement a été amélioré, il a été revu, corrigé, continuer dans l'amélioration du mouvement, la performance du mouvement, ça prend du temps. C'est pas en deux jours, en deux semaines, on fixe quelque chose dans le mouvement, c'est toujours une amélioration qui se fait en permanence. Et même aujourd'hui, je parlais avec les horlogers, ils sont très contents, mais ils sont encore en train de chercher comment on va améliorer encore plus la particularité du mouvement. Ce mouvement-là, c'est ce qu'on appelle un 10 centième, donc il tourne 10 secondes pour faire le tour complet du cadran, de passer de tout le cadran.
C'est évidemment la particularité de la marque, c'est le premier chronographe. Il y a toute cette crédibilité derrière la Primero, y compris aux États-Unis. Le marché est en croissance aux États-Unis et on sent vraiment une belle traction aujourd'hui de la marque aux États-Unis parce qu'ils ont soif de quelque chose déjà d'authentique. Et ils ont soif de quelque chose que tout le monde n'a pas. Et on est extrêmement sélectif dans la distribution. On pourrait ouvrir autant de points qu'on voudrait, mais ce n'est pas du tout l'idée. C'est l'idée de faire plus avec un peu moins. Donc voilà, on est avec Renato. Julien nous a prévu un petit rendez-vous, une petite interview, parce que c'est l'homme des lunettes. Donc explique-nous un peu ce relancement, ce renouveau, parce que ça existait déjà avant. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. La première fois, il y a 20 ans, Tag Heuer, il a vraiment étonné le monde de l'optique. Non, c'était l'avant-garde. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les lunettes Tag Heuer étaient réputées, un, pour la qualité du verre, mais surtout pour l'extrême légèreté de leur monture, et surtout le confort au porté. Donc voilà, moi j'ai mis évidemment les lunettes Dior, de grande classe internationale, c'est juste pour l'embêter un peu, mais je vais les enlever parce que, évidemment, on va parler lunettes et on va les essayer. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme collection ? Collection, c'est vraiment autour du matériau, dont on parle de la graphite recyclée, de la fibre de carbone avec les bio-nylon. Ça veut dire du nylon qui ne va pas venir du pétrole et donc c'est plus éthique. Responsable ? Ouais, bien sûr. Et puis il y a le Dyneema, c'est la fibre la plus dure du monde, c'est plus dur que l'acier. Et c'est ça que j'ai ici, et qui donne la flexibilité à la lunette. Mais est-ce que ce sont un petit peu des matériaux issus de la compétition automobile, un peu, on peut dire, de toutes les recherches de Formule 1, parce que Tag Heuer est très fort en Formule 1? Absolument. On a cherché d'être inspiré par la tradition et la génialité de Tag Heuer, qui est toujours... il va changer les règles du jeu. Et donc, oui, ils vont utiliser des techniques qui sont les mêmes de la Formula 1, les matériaux qui sont les mêmes qu'ils font faire les métals des voitures. Non? Surtout, ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce ne sont pas que des lunettes de soleil. Ce sont des lunettes que vous pouvez monter avec les verres optiques. Like les miennes, non? Oui. On a pensé de mettre l'être humain au centre. Et donc, on a travaillé autour du visage. Et ce n'est pas seulement la légèreté, mais c'est like tailor-made, bespoke. Oui, sur mesure. Oui, sur mesure. Sur mesure qu'on va faire des choses qui, chaque personne le veut essayer, adapter, ils vont dire, ah, c'est parfait pour moi, c'est pour moi ça. Non? Et donc, quelque chose like ça, non? C'est vraiment qu'on a copié. On a copié le corps humain. Car on a créé un tendon rouge, non, qui donne la flexibilité. De la même façon qu'on a la structure, non, qui s'est rigide. Comme les tendons avec les os qui donnent la flexibilité. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et même pour les nez, non, il y a de différentes petites parties. Il y a trois tailles qui tu peux changer, même d'une façon asymétrique, en ordre d'avoir le perfect fit. Et au niveau de la qualité des verres, de la filtration des UV, vous êtes là dans le top qualité de ce qui se fait ? Oui, bien sûr. C'est en France, une partie, dans les Jura, non ? Et un autre, c'est en Allemagne, pour les verres. Mais on a travaillé on des choses qui se sont vraiment étonnantes, non ? Comme ça. Ça, c'est deux véritables très, très, très léger. Alors là, vraiment poids plume. Hein. Et ça, c'est... Non ? Et c'est la même chose qu'ils utilisent les firefighters, les pompiers. Oui. Car ce n'est pas seulement les UV qui vont faire du mal aux yeux, mais c'est même la chaleur. Et ici, à Miami, non, il est chaud. Et ça, veut dire que ce sont des verres qui protègent aussi l'œil contre la chaleur, contre le rayon de soleil qui vient chauffer, qui peut chauffer la rétine en plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, la beauté de la technologie. Non, ça, l'or c'est bien, on a or et on a platinum. Et ça, c'est un brevet français et qui l'ont fait et qui l'ont fait pour Tag Heuer. Il y a une grande gamme. Hein. Ouais, on part de la 27, non ? Puis c'est ça. Bah vas-y, parle parce que moi j'ai 7. Toi, prends le micro et moi je parle. On va chercher. Oh. Ouais. Toutes, franchement, quand on les essaye, elles tombent, mais. C'est un confort absolu, là. Non.
et tous les modèles, c'est Specta. Specta, c'est une verre polarisée, mais une nouvelle génération qui permet de voir les écrans digitaux. Ah d'accord, ça veut dire que c'est un polarisant qui te permet, par exemple, quand tu conduis ta voiture, de pouvoir afficher l'affichage tête haute dans le pare-brise. Et même... Ça, c'est très, très, très important comme concept. Et même, on peut voir les nouvelles faces du Connected Watch. Ah oui. Ah ben, c'est digital, non? Oui. Ouais, ça. Ouais. Je teste tout de suite en live. Ouais. Parfait. Ouais, c'est ça, non? C'est ça. Et donc, c'est seulement le fait de protéger, mais de donner une nouvelle façon d'avoir la technologie. Oh, super, ça, là. Ça, c'est magique. Bon, évidemment, c'est la Tiger Air Golf, hein, on est à Miami. Ouais. Donc, à Miami, il y a deux choses qu'on fait à Miami, sachez-le. Le golf, en un, et le golf, en deux. Okay. Voilà, c'est tout. Ouais. Super, donc tout ça. Alors... Je crois qu'on peut dire aussi que, évidemment, les lunettes de soleil, je pense, seront en vente dans les boutiques Tiger Air. Bien sûr. Mais pour toutes les montures dites d'opticiens, elles seront en vente chez les opticiens pour qu'ils te fassent les verres. Bien sûr, bien sûr. Donc, avec Telios, non, qui c'est le LVMH Excellence dans les lunettes, qui va produire toutes les maisons. Et maintenant, il va produire même Tiger Air. C'est toi qui as fait tout ça? Ah, c'est le team, non? On a travaillé 4 ans, au début avec les techniciens de Tiger Air en Suisse et à Paris, et puis avec Telios en Italie. Tout c'est en Italie pour les frames, c'est en France pour les verres, en Allemagne, et même les packaging, c'est en Italie. On a essayé de faire des choses où il y a le contrôle, non, de la manufacture. Ça, c'était très important. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on va finir. En fait, Tiger Air, Tag, ça veut dire technique d'avant-garde. Et là maintenant, Tiger Air, c'est l'esprit manufacture horlogère. Et maintenant, c'est la manufattura. Manufattura di, comment on dit lunettes en italien? Degli occhiali. Degli occhiali. L'eccellenza degli occhiali.